Bonjour, vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bonjour, je m'appelle Chloé Moreau, j'ai 27 ans et je suis la gérante du magasin Les Copines de Braderie, situé rue Saint-Aubert à Arras. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de votre boutique? Oui, alors c'est un magasin de vêtements d'occasion qui est spécialisé dans les femmes, l'homme et l'enfant. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez vécu depuis quelques mois la crise sanitaire? Comment ça se passe pour votre business? On l'a très mal vécu, mais ça je pense que tout le monde l'a mal vécu. Après, pour le business, c'est encore plus compliqué parce que on a réussi à avoir des aides avec les impôts, la CEA, etc. Mais les aides, c'est jamais suffisant. On a toujours envie d'avoir plus et ça ne paye pas forcément le salaire, le loyer, etc. Donc on le vit mal. Après, il faut rester positif et voir le bon côté des choses en espérant que ça reprenne bientôt. Parlez-nous un peu de votre activité de ces dernières semaines, de ces derniers jours. L'activité, on voit que les gens ne s'habillent plus forcément, n'ont plus envie de s'habiller. Donc l'activité, elle est moindre que ce que je pouvais faire avant le confinement, avant le Covid. Mais après, il faut garder espoir et se dire que les gens vont revenir avec le beau temps. J'ai une dernière question. Est-ce que vous avez été soutenu? Oui, on a été soutenu, j'ai été soutenue par le Fonds de solidarité, donc l'État, etc. Après, on a aussi eu des aides de la CEA, de la région et puis la mairie aussi qui nous permet aussi de ne pas payer notre enseigne. Merci. De rien.